La miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. C'est en effet une grâce de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble pour célébrer le culte de ce dimanche, tourner nos cœurs vers le Dieu qui, en Jésus-Christ, a révélé sa puissance de miséricorde et de paix, ou disons, a révélé sa puissance à travers sa miséricorde et sa paix. Aujourd'hui, notre joie est d'autant plus vive que nous accueillons Élisabeth Parmentier, qui vient ici en voisine et en amie, puisqu'elle enseigne juste à côté à l'université que Jean Calvin a fondée. Et dans la tradition chrétienne, et peut-être surtout dans la nôtre, la tradition réformée, l'Église est inséparable de l'université et le temple de la faculté de théologie, la vie de prière de la recherche intellectuelle, la foi de la raison. Et parmi le collège de professeurs, ceux qui connaissent Élisabeth Parmentier savent que elle, qui est devenue aujourd'hui vice-doyenne de la faculté, peut-être probablement la première des doyennes femmes de la faculté de théologie protestante, est un parfait équilibre entre les deux, la vie intellectuelle, la vie de recherche et la vie de prière, la vie de foi. Élisabeth, beaucoup d'entre vous le savent, s'est illustrée dans la place qu'elle a donnée aux femmes de la Bible dans ses recherches, depuis une inoubliable étude sur Marthe et Marie, jusqu'à la publication en 2018 de la Bible des femmes, qui fit l'effet d'une bombe dans le petit monde de la théologie. Et si ma mémoire est bonne, Lauriane Savoie et toi, Élisabeth, êtes venues ici même au moment de sa publication. Mais aujourd'hui, c'est pour un autre livre que nous avons invité Élisabeth, un livre insolite, un livre un peu fou, un livre sur la bénédiction, auquel Élisabeth Parmentier a donné un titre magnifique, « Cet étrange désir d'être béni ». Et ce livre, je dois dire, est bénédiction pour quiconque veut comprendre ce qui se cache derrière l'un des plus vieux gestes religieux de l'humanité. Et tu ouvres ton livre, Élisabeth, sur la bénédiction du tunnel du Gothard en 2016, sur demande non pas des autorités ecclésiastiques, mais des autorités fédérales et des CFF. Et tu refermes ton livre sur ces quelques lignes que tu as intitulées « La bénédiction du lundi ». En fait, c'est la bénédiction du lundi après Pâques, et qui est datée du 10-13 avril 2020. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 avril, donc presque une année, jour pour jour, après que tu aies signé la postface de ton livre. Alors j'aimerais vous lire ces quelques mots de postface qui sont absolument magnifiques, tant qu'ils résonnent encore dans ce que nous vivons une année après. Qu'est-ce qu'une bénédiction face au Covid-19 qui submerge toutes nos sécurités? Nous sommes rappelés à la réalité de notre nudité humaine. Mis en danger et confiné dans nos maisons par un organisme microscopique et sans intelligence. Qu'est-ce qu'une bénédiction face à la peur? Le soupirail de notre finitude enserre l'horizon. Et pourtant, il y a des balcons d'où applaudit la reconnaissance, des rues où résiste le chant, des portes où s'ouvre le partage. La bénédiction est partout au travail, dans tant de courage, dans la capacité de dépasser les enfermements personnels, dans la multiplication des signes de fraternité, comme autant de cellules de bénédiction fort contagieuses et aux effets imprévisibles. Dans les hôpitaux, les malades qui meurent n'ont pas revu leur famille, mais le personnel soignant les entoure jusqu'au dernier souffle. En Italie, au pic de la crise, des prêtres sont allés bénir les mourants, inutilement risqués, dérisoires, pourtant une résistance de la dignité humaine.
les appeler par leur nom, face à la mort aveugle, les placer sous une autre souveraineté. Des équipes entières de soignantes dans les EHPAD ont choisi de rester confinées avec leurs résidents. La tâche des femmes du matin de Pâques est poursuivie, un baume pour toutes les solitudes. L'épreuve plus périlleuse sera dans les répliques économiques et sociales. Serons-nous capables de poursuivre dans cette contagion de fraternité? Devenir une bénédiction avec un courage déniaisé et concret. Voilà, c'est un magnifique passage qui termine le livre d'Elisabeth et qui est écrit il y a une année, jour pour jour. Et pour entrer liturgiquement dans ce culte, après cette introduction et cet accueil, eh bien, je reviens quelques pages en arrière et je suis tombé sur une parole d'un pasteur qui a vraiment marqué le protestantisme réformé français depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'après-guerre. Il a été président de la Fédération protestante de France, c'est Marc Bogner. Écoutez les accents qu'il met dans cette invocation à l'Esprit-Saint. Mes frères, j'ajoute bien sûr mes sœurs, tout au fond de nous-mêmes, avons-nous vraiment le désir de recevoir le Saint-Esprit? Reconnaissons-le simplement, franchement. La pensée que le Saint-Esprit pourrait venir en nous et pénétrer notre vie jusque dans ses recoins les plus obscurs éveille chez un grand nombre d'entre nous, non pas de la joie, mais une crainte que nous n'osons pas toujours formuler. S'il venait, après tout, si en réponse à notre prière, le Saint-Esprit venait s'emparer de tel ou tel d'entre nous, assurément, ce ne serait pas pour nous laisser tranquilles. Mais alors, qu'est-ce qu'il exigerait de nous et vers quelle aventure nous entraînerait-il ? Alors nous allons maintenant nous laisser entraîner en tout cas dans l'aventure de ce culte, et celui qui nous entraîne et dans l'aventure musicale, c'est Arthur Saunier qui remplace aujourd'hui Vincent Thévenard à l'orgue parce que Vincent est devenu papa dans la nuit de vendredi à samedi. Je ne connais pas le nom de sa petite merveille, impossible de le savoir, mais enfin elle est là, elle est bien arrivée. Et c'est la plus belle des bénédictions, je pense, pour un homme et pour un père. Donc c'est Arthur qui nous accompagne aujourd'hui à l'orgue dans le Veni Creator, mis en musique par Martin Luther. Jusqu'à celle des bêtes sauvages et de la moindre des créatures, et qui culmine, ceux qui ont fait un peu de catéchisme le savent, la bénédiction sur le premier couple humain.
Dieu créa l'être humain à son image, il les créa hommes et femmes, et il les bénit. Mais pourtant d'entre nous, quand on parle de bénédiction, ce sont bien entendu les premiers versets du psaume 103 qui viennent immédiatement à l'esprit, et que je vous relis maintenant en guise de louange. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la mort, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui ait exécuté ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Dieu notre Père, Seigneur de l'univers prodigue de tant de bénédictions, nous prenons conscience devant toi de notre peine à bénir, de notre propension à mal dire plutôt qu'à bien dire, à dire du mal plutôt qu'à dire du bien, à maudire plutôt qu'à bénir. Toujours à faire des poutres avec de la paille et des histoires avec si peu. Alors nous t'en prions ce matin où nous réfléchissons sur la bénédiction. Pardonne notre malveillance, qui est une manière de mal veiller ou de veiller mal. Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, prodigue de tant de bénédictions. Nous prenons conscience devant la hauteur, la largeur et la profondeur de ton amour, de nos univers étriqués, où ce n'est pas tant le confinement physique qui nous menace que le confinement spirituel. C'est bien joli de retrouver demain des terrasses ouvertes, mais vivre dehors en esprit. Avoir dans nos têtes non pas des murs, mais des ouvertures. Préférer l'air en soi à l'entre-soi. C'est toute une toute autre histoire. Pardonne nos volets clos et nos petits ghettos qui nous rassurent mais nous enferment. Et fracture-les par la hauteur, la largeur et la profondeur de ta vie en nous. Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, prodigue de tant de bénédictions. Nous ne voulons jamais cesser de te bénir pour toutes les bénédictions que tu déposes dans nos vies qui demeurent dans les univers finis qui sont les nôtres, les traces de ton infini. Amen. Voilà, c'est toujours dans le psaume 103 qui est le plus beau des psaumes de bénédiction qu'on trouve les plus belles aussi des paroles de grâce que je vous relis maintenant. L'Éternel, il
pardon, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous toutes nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'être humain, ses jours sont comme l'herbe, fleurie comme la fleur des champs. Quand un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, pour celles et ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Celles et ceux qui gardent son alliance se souviennent de ses commandements et tâchent de les accomplir. Seigneur, merci d'être un Dieu de parole, qui tient ta parole et qui continue à nous l'adresser et à nous chercher. Merci pour ton appel, pour cette demande de t'écouter que nous découvrons à travers toute la Bible. Merci pour la possibilité d'y trouver une parole adressée à chacune et à chacun. Oui, que ton esprit vienne remplir nos cœurs et que ce soit toi qui nous parles, et non nos craintes, nos découragements et nos troubles personnels. Viens toi-même nous parler. Amen. Notre lecture d'aujourd'hui et notre méditation
je vous propose un texte peu connu de l'Ancien Testament, du livre des Nombres, au chapitre 22. Mais tout le récit s'étend jusqu'au chapitre 24. Mais rassurez-vous, j'abrégerai beaucoup, puisque mon but est d'entrer dans la bénédiction par la porte dérobée, par la malédiction. Donc voilà le début du chapitre 22 du livre des Nombres. Le peuple d'Israël est arrivé en fait à la plaine de Moab. Après avoir erré dans le désert, ils sont enfin dans l'herbe de Moab. Et voilà ce qui se passe. Les fils d'Israël repartirent. Ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très inquiet en voyant ce peuple si nombreux. Moab fut pris de panique à la vue des fils d'Israël et il dit aux anciens de Madian : cette multitude va maintenant tout brouter autour de nous, comme un bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, l'Euphrate, son pays d'origine, pour lui porter cet appel. « Nous avons là un peuple sorti d'Égypte qui couvre la surface de la terre. Le voilà établi en face de moi. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être arriverai-je alors à le battre et à le chasser du pays. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Alors que fait ainsi le texte dans notre prédication d'aujourd'hui? J'ai choisi l'entrée par la malédiction parce que ça, c'est la face visible, la face dont nous ne doutons pas. Si la bénédiction peut nous poser problème et que nous nous posons la question « Mais à quoi bon bénir? À quoi est-ce que cela peut bien servir ?» Et comme Emmanuel l'a si bien rappelé et m'a donné toute cette introduction, je me suis posé 1000 fois cette question depuis le début du confinement de l'année dernière et de la pandémie. Est-ce que la théologie, est-ce que ce que nous transmettons dans la bonne nouvelle du salut, finalement, face à la réalité de terrain, n'est pas quelque chose qui passe au-dessus des têtes et qui est loin de la vie réelle? À quoi bon bénir quand tout le monde est mal en point et que la peur guette partout? Alors il est plus facile de voir la malédiction ou le maldire ou la malveillance parce que ça fait partie de notre réalité, de notre monde. Mais j'ai pensé que la malédiction devait être explorée parce qu'elle n'est pas le contraire de la bénédiction, elle est plus exactement la bénédiction non encore prête, non encore achevée, la bénédiction en gestation. C'était mon intuition, mais je ne savais pas le démontrer. Et j'ai pensé à ce texte pour précisément montrer à quel point il garde une actualité et combien il peut nous parler en tant que réformé. Nous avons mis la bénédiction à la petite place à la fin du culte et nous ne faisons pas comme l'Église catholique, l'Église orthodoxe et le judaïsme qui abritent les croyants dans toutes sortes de bénédictions au long du jour et au long de la vie. Plus exactement, nous avons été réticents à juste titre puisque nos réformateurs ont mis en garde et de manière très très importante contre les attentes indues, les superstitions, les peurs ancestrales, parce que seule l'ère de la liberté et de la libération en Christ devait être l'ère de la réformation, l'ère de la vraie vie chrétienne. Et donc la question se pose, que faisons-nous de cette bénédiction qui tourne si facilement à la superstition ou au retour aux peurs et aux organisations d'utilitarisme de la bénédiction? Un exemple tout simple, vous avez vu dans les élections américaines, l'équipe pastorale qui entourait l'ancien président pour le bénir en vue de la victoire dans cette élection. Ou bien vous avez entendu des prédicateurs qui proposaient de guérir du virus
en touchant l'écran de télévision par la bénédiction qu'ils allaient envoyer. Et évidemment, la colère nous prend face à ces utilitarismes et ces commercialisations de la bénédiction. Mais est-ce que cela veut dire que bénir, ça n'est rien ? Non, bénir, c'est quelque chose. Mais voyons à travers la face la plus difficile comment bénir est quelque chose. Sans aucun doute, bénir nous impacte et nous apporte quelque chose. Mais quoi, au fond ? Alors je suis replongée dans quelque chose que j'avais seulement effleuré dans ma recherche, et j'ai une grande jubilation de découvrir dans un texte que j'avais pourtant exploré une piste que je n'avais pas trouvée et que je voudrais partager avec vous, parce que je crois que ça nous parle vraiment du passage du maudire ou du maldire au bénir. Dans ces trois chapitres du livre des Nombres, 22, 23, 24, et en fait, le texte commence de manière tout à fait typique de ces terreurs ancestrales. On va travailler avec les forces du mal, les forces de la destruction, pour lutter contre un peuple qui broute notre herbe. Vous voyez bien l'actualité, combien de craintes sur notre terre face à des peuples qui sont considérés comme des parasites, qui viennent manger le pain des autres et qu'il faut évacuer. Alors le roi de Moab a décidé de maudire et il appelle un spécialiste du maudire, Balaam, dont nous ne savons pas très bien qui il est. Ça n'est pas précisé et c'est l'intérêt du texte. Il y a cette ambiguïté au début. Qui est ce professionnel des forces qui sait faire descendre les forces, bonnes ou mauvaises? Et donc, en fait, le roi de Moab a grande confiance dans ce prophète ou cet homme. Et j'ai pensé à cette phrase qui est, comme un dicton, il a les mauvais œils. Vous connaissez l'expression, avoir le mauvais œil, qui est un peu revenu à la mode. Avoir le mauvais œil, j'ai vérifié, c'est normalement le pouvoir de donner la malveillance. Donc Balaam serait un homme qui a le mauvais œil. Mais dans la parole courante, dans l'expression courante, c'est plutôt que le mauvais œil est sur nous. C'est-à-dire, au fond, quelque chose nous menace, une fatalité, ou alors on est dans un mauvais sort, et je vous assure, il y a énormément de gens qui le croient. Bien plus que de gens qui croient qu'ils sont bénis. Alors, le mauvais œil n'est pas dans le texte, mais c'est une grande découverte pour moi de suivre la piste de l'œil et du voir. Et le voir est au centre, vous allez le remarquer. En fait, ce qui est demandé à Balaam, c'est une action magique. Le roi de Moab est dans cette conception très ancienne et qu'on retrouve de temps en temps même à notre époque, que ça doit être efficace si on fait appel à un professionnel qui connaît les paroles, qui sait faire descendre les forces et qui, dans tous les cas, va savoir quoi faire et qui sera efficace. Donc, la malédiction efficace et utile. Mais l'humour du texte biblique, et c'est fantastique si vous le lisez ainsi, l'humour du texte biblique, c'est précisément de retourner, d'être subversif et de retourner la pratique magique en quelque chose d'inattendu. En un résultat qui n'est absolument pas le résultat garanti par les codes de la magie ou de l'occultisme. Et le prestataire de service professionnel, première surprise, va demander son avis à Yahvé. Et je pense que c'est l'erreur fatale, parce que le roi ignorait que l'autorité qui serait derrière Balaam serait Yahvé. Alors je résume la suite du texte, mais je vous recommande de lire ces chapitres 22, 23 et 24. Vous écouterez le sourire entre les lignes de ces textes, le sourire de la subversion qui va renverser les logiques de rétribution, les logiques d'efficacité et la logique du châtiment et de contrôle de la maîtrise du roi. Alors, il y a tout un suspense que je vais résumer pour ne vous donner que les indices les plus importants sur le chemin où je veux arriver au sens de la bénédiction par la malédiction. Alors voilà le résumé de
l'ensemble des actions, une première fois, Balaam va donc recevoir les messagers envoyés par le roi de Moab, et il s'adresse à Yahvé en disant « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chez le roi de Moab pour maudire le peuple ?» Évidemment, on pourrait se dire « Ce peuple a considérablement énervé le Seigneur dans le désert, et on pourrait se dire que ce Dieu qui est quand même un Dieu sévère, qui a certaines parties dans certaines parties de l'Ancien Testament annonce qu'il maudit ceux qui lui seront infidèles, on pourrait se dire ce Dieu-là n'est peut-être pas fiable non plus, et il se pourrait qu'il veuille donner une petite leçon au peuple d'Israël. Et on aurait alors l'image d'un Dieu arbitraire qui, dans sa colère, est capable de tout. À vrai dire, il y aurait beaucoup à dire sur ces menaces de malédiction de Dieu qui ne sont finalement jamais tenues, mais qui sont la manière dont Dieu, dans son zèle et sa force, veut inciter le peuple à obéir. En tout cas, sa réponse à Balaam est très simple. Il répond « Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Donc nous apprenons que le peuple d'Israël est béni à jamais, en quelque sorte. Rien ne peut le remettre en question. Donc Balaam refuse d'aller chez le roi de Moab. Celui-ci envoie une deuxième fois des émissaires avec beaucoup de promesses financières. Et une deuxième fois, Yahvé est interrogé et il autorise Balaam à aller chez le roi de Moab à une condition, tu diras seulement ce que je te dirai. Mais le lendemain, Yahvé se ravise et il envoie un ange sur le chemin pour bloquer Balaam dans sa route vers Moab. Et c'est l'épisode que vous connaissez peut-être parce qu'il est plus célèbre, de l'ânesse sur laquelle est Balaam, qui voit l'ange sur le chemin, qui veut les arrêter avec son épée, et elle évite l'ange à trois reprises, et elle se fait frapper par Balaam, qui ne comprend rien parce qu'il ne voit rien. Remarquez une fois de plus, Balaam ne voit rien. Et ce n'est qu'à la troisième fois où elle évite l'ange que l'ânesse proteste et que l'ange se montre à Balaam, et Balaam répond « Je n'ai pas reconnu que c'était toi qui étais posté là devant moi. » Encore une occurrence, cette fois-ci, je n'ai pas reconnu. Alors l'ange le laisse aller, je passe cet épisode, et il arrive chez le roi de Moab. Chez le roi de Moab, un pacteur l'attend, et il fait ses holocaustes, ses sacrifices, et par trois fois, il va avoir un spectacle sous ses yeux, posté avec le roi de Moab sur les hauteurs, le roi de Moab lui fait regarder le peuple dans des angles et des perspectives différentes. Et ça, pour moi, c'est la clé du récit. Parce qu'il va voir le peuple, il est posté un peu comme moi au-dessus de vous, et il voit des parties du peuple, et à chaque fois, il y a un crescendo dans le texte, à chaque fois qu'il le voit mieux, sa perspective intérieure commence à changer. Et donc, par trois fois, il voit le peuple dans des perspectives les plus riches possibles, et alors que le roi pense que maintenant il a réussi à le convaincre du danger de ses parasites, Balaam est de moins en moins convaincu de ce qu'il doit faire dans la malédiction. Et donc, pour être brève, je précise qu'il donne quatre oracles de l'un à la suite de l'autre, c'est-à-dire quatre annonces officielles au roi, inspirées par les forces qu'il a appelées et qui sont les forces de Dieu. Et le premier oracle, c'est « Comment maudirais-je ce peuple que Dieu n'a pas maudit ?» Donc ça commence déjà très mal pour le roi qui s'énerve. Le deuxième oracle va plus loin. Balaam va défendre le peuple d'Israël contre les perceptions négatives que le roi projette sur le peuple. Et troisième oracle, il se passe là quelque chose d'inattendu. L'Esprit du Seigneur tombe sur Balaam. L'Esprit Saint, l'Esprit, le souffle de Dieu, comme l'appelle l'Ancien Testament, ce souffle vint sur Balaam. Et ensuite Balaam dit ceci. C'est un long oracle, mais le début est très instructif.
l'oracle de l'homme à l'œil ouvert, de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit ce que lui montre Shaddai, quand il tombe en extase et que ses yeux s'ouvrent. Le mauvais œil, ce n'est plus celui de Balaam. Parce que Balaam voit, il voit la perspective inversée. Et à présent, l'oracle va devenir la bénédiction du peuple d'Israël, avec un magnifique éloge dont je ne vous lis que le début. « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Elles se répandent comme des torrents, pareilles à des jardins au bord d'un fleuve, à des aloès plantés par le Seigneur, à des cèdres au bord de l'eau. » Et la fin de l'éloge dit « Béni soit qui te bénira, et maudit qui te maudira. » C'est-à-dire la parole du Seigneur lui-même adressée jadis au patriarche. Donc Balaam a en quelque sorte totalement pris sur lui la parole du Seigneur. Alors, c'est une parabole, puisque le roi de Moab se trouve à la fin pris dans sa propre tentative de malédiction. Qui te maudira sera maudit lui-même. Heureusement, le roi de Moab n'a pas maudit, il n'a pas pu, puisque Balaam s'est retourné, il a retourné sa veste, comme nous dirions aujourd'hui. Et pourtant est annoncé dans ce quatrième oracle la puissance d'Israël. Donc le roi de Moab a bien des raisons de se faire du souci. Mais n'oublions pas que dans la réalité, la rencontre entre les tribus autochtones et les tribus de Juda et d'Israël a été bien moins guerrière que nous le racontent les textes. Et d'ailleurs, de Moab viendra Ruth, l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc la rencontre avec Moab ne tournera pas à la catastrophe absolue. Alors que nous apporte cette parabole ? Je vais le résumer et le synthétiser en quelques points. En fait, la première découverte que je fais, c'est que la malédiction n'est pas le contraire de la bénédiction. Mais elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bénédiction en germe, mais pas encore correctement placée. Elle est liée à un mal voir. Comme il a été dit dans la liturgie, la malveillance, c'est le mal voir. Et ce qui doit être transformé pour que nous soyons capables de voir les autres dans leur beauté, c'est précisément le bien voir, voir avec le regard de Dieu. Donc c'est la première constatation, c'est cette. Il n'y a pas d'antagonisme véritable entre malédiction et bénédiction. Il n'y a pas d'un côté la fatalité vers le mal et de l'autre côté le bien. Mais c'est en transformation, et j'y reviendrai tout à la fin. La deuxième chose très intéressante, c'est que le texte, vous voyez, dépasse tous ces stéréotypes de fabrication magique, de force qui oblige l'être humain, d'esclavage. Et donc les réformateurs étaient bien dans la juste ligne d'insister sur le dépassement des superstitions et le dépassement de cette tentation de l'être humain de se sentir ligoté dans des forces mauvaises ou poursuivi par le mal ou la maladie. Et ce qui est intéressant ici, c'est comment se comporte ce peuple élu dans ce texte. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite en lisant une prédication de l'exégète très célèbre Gerhard von Rad. En 1970, il a fait une prédication sur ce texte dans une toute autre direction que celle que je suis ici, mais il a une idée magnifique, il a développé un point magnifique, c'est la découverte que le peuple ne fait rien du tout. Ils sont passifs dans leur tente, à attendre, à vivre de leur côté, dans les prairies de Moab, ils vivent simplement à l'écart, sans se douter de la bénédiction. Et je crois qu'il y a là un indice tout à fait remarquable. Peut-être sommes-nous bénis alors que nous vivons paisiblement et que nous ne nous en doutons pas. La bénédiction, c'est cette action non spectaculaire, non remarquée, très souvent non visible du Seigneur et qui nous accompagne sans même que nous le sachions. Et souvent, nous ne le remarquons qu'après, bien après. Et le peuple ici,
et significatif de ces personnes bénies qui simplement se confient dans le Seigneur et s'abandonnent à ce qu'il fera de leur avenir. Vivre sans nécessité de se prouver quelque chose ou de vérifier est-ce que je suis dans la bonne ligne, est-ce que j'ai la bonne foi, est-ce que je suis vraiment béni, mais simplement s'abandonner. Et mon tout dernier point, qui a été une grande joie, c'est de me souvenir que lorsque nous bénissons à la fin du culte, nous demandons que le Seigneur tourne sa face vers nous. Et je n'ai jamais attaché vraiment d'importance à cette formule. C'est la formule de la bénédiction d'Aaron qui est transmise également dans le livre des Nombres. Mais maintenant, ça c'est clair. Si le Seigneur tourne sa face vers nous, il nous voit, il nous regarde. Et c'est cette thématique du regard qu'on trouve dans ce texte. Lorsque le Seigneur se tourne vers son peuple et vers les siens, c'est le bien voir. Et j'ai compris que bénir, c'est, si je devais le dire par une image, c'est parce que je suis vue par la face de Dieu, que Dieu tourne sa face vers moi, que je sais que je suis bénie, que je reçois cette bénédiction, que moi aussi, j'en peux emprunter ce regard de Dieu vers l'autre, et en quelque sorte, en transmettant de nos mains et de nos cœurs cette bénédiction vers les autres, nous tournons ce regard de Dieu vers les autres. Et ça, c'est une force. Ce n'est pas une force occulte, ce n'est pas du surnaturel, mais c'est la force de la foi et de l'espérance. Et nous transmettons non seulement cette espérance, mais le fait que Dieu accompagne de son regard d'amour ceux qui tout simplement s'abandonnent en toute confiance. Donc voilà, lorsque nous bénissons à la fin du culte, nous bénissons face à cet amour et à cet accompagnement qui nous suit. Et bénir peut alors être une véritable révolution. Thank you.
quelques mots que Dietrich Bonhoeffer, en prison, écrivait à sa bien-aimée peu de temps avant de mourir. Ma Maria bien-aimée, que dois-je souhaiter pour toi et pour moi? Je ne peux rien dire d'autre, bien que cela franchisse rarement mes lèvres. Je souhaite que cette Pentecôte soit bénie pour nous deux. La bénédiction, cela veut dire une proximité de Dieu qui soit visible, sensible, et qui devienne efficace. La bénédiction demande à être transmise et passe par d'autres personnes. Celui qui est béni est lui-même une bénédiction. Alors, ma chérie, soyons-le l'un pour l'autre, ainsi que pour tous ceux qui sont confiés à notre travail ou à notre intercession. Il n'y a rien de plus grand que lorsqu'une personne est une bénédiction pour les autres, n'est-ce pas? Non seulement une aide, un compagnon, une compagne, un ami, mais une bénédiction. C'est beaucoup plus. C'est ainsi qu'il doit en être dans notre couple. Prions pour cela. Et c'est ainsi que nous voulons fêter Pentecôte. Nous prions. Oui, Dieu, à la fois Père et Mère de tous et de toutes, nous te disons merci parce que nous sommes tous placés sous ton regard, un regard qui nous voit bien, un regard ajusté, un regard juste, mais aussi un regard aimant. Et nous t'en prions, permets que nous ajustions nous aussi nos regards, comme l'a si bien interprété Élisabeth, pour que nous puissions nous voir autrement et transformer tout mal en bien. Accompagne-nous dans ce chemin qui est le seul chemin sur lequel il vaille vraiment la peine de marcher et de marcher ensemble. Nous te confions tous les lieux où des personnes se sentent maudites, environnées de haine, d'hostilité, ou dans les chaînes de la maladie. À se débattre devant des histoires qu'elles ne maîtrisent plus. Permets que quelque chose de ta paix, de ta bonté et de ta bénédiction apaise, console et relève. Nous te prions pour notre monde, pour sa course, pour son train, pour son avancée, et que nous marchions tous ensemble de plus en plus vers ta lumière et vers ta paix. Et c'est dans cet esprit que nous te prions, avec les mots que ton Fils nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous fais la promotion, malgré le fait qu'elle m'ait interdit de le faire, de 3 livres d'Élisabeth Parmentier. Le premier, bien évidemment, c'est cet étrange désir d'être béni, dont beaucoup de citations vous ont été lues ce matin.
mais aussi le célèbre Une Bible des femmes, si vous ne l'avez pas encore. Et puis, très drôle, Une Bible des hommes. Alors la Bible des hommes vient de sortir et je ne résiste pas à vous en lire quelques titres glanés dans la table des matières. Outé, papa, outé. Ceux qui connaissent Romaé auront tout de suite reconnu la chanson. Joseph, père de Jésus, un contre-modèle de virilité. Les douze, un club pour hommes. Jésus-Christ, modèle pour le mari. L'homme de Tarse, saint Paul, mère et sage-femme. Et je vous disais que c'était, mesdames, un excellent manuel à offrir à vos maris, si vous en avez, ou à vos enfants, ou aux hommes que vous aimez. La lecture sera forcément édifiante et bienfaisante. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. On te dit à bientôt pour ton prochain livre. Et je vous invite à préparer votre offrande qui sera recueillie pendant que Arthur nous joue à l'orgue la mélodie de, cette fameuse bénédiction de Siméon. Laisse-moi désormais, Seigneur, m'en aller en paix, car j'ai vu ta promesse, etc. En ces dimanches, nous venons de Pâques, recevons la force de la résurrection qui nous envoie sur le chemin du quotidien avec l'espérance de la vie redonnée à jamais. Que le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Oui, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allez dans la paix du Seigneur.